Donc, ouais, parfait. Nous avons un livre traduit en chinois. Donc, vous voyez ce livre-là, Église influente ou influencée, un livre que ça m'a fait écrire il y a quelques années, de cela déjà. On a fait au moins 7-8 ans. C'est en 2005, ça fait 12 ans. Voilà, 12 ans. Donc, en 2005, il y a eu une conférence à Saint-Denis dont le thème était Église influente ou influencée. Et le Seigneur m'a dit, écris un livre là-dessus. Donc, je l'ai écrit, je crois que c'était un an après. Donc, ça fait 11-12 ans que ce livre a été édité. Voilà, donc une sœur chinoise l'a traduit en chinois, c'est bien ça hein? Oui, c'est ça. Alors, vous pouvez nous dire un peu, parce que vous avez été en Chine, la mission là-bas avec, pour c'est la ça, rencontrer. Avec Laurie. Alors, c'est quoi le projet en fait? Notre sœur Céleste a traduit donc deux livres, donc Église influente ou influencée et Entre les mains du potier. D'accord. Et on a à cœur, beaucoup de personnes ont eu à cœur en fait de l'imprimer. D'accord. Parce qu'en fait, le but c'est de répandre l'évangile aux nations. D'accord. Et on se dit que les Chinois ils vont pas forcément aller sur le site de TV de Vie pour. Ils peuvent pas en plus parce d'accord. que les sites chrétiens sont bloqués là-bas. Ok. Donc on se dit, on veut répandre la parole massivement et donc on va imprimer donc ce livre qui a d'accord. été traduit par notre sœur Céleste. Et pour ce faire, en fait, on a une annonce à faire. Mm-hmm. C'est qu'on aimerait donner un travail de qualité aux frères et sœurs. Mm-hmm. Et je sais que toi, quand tu travailles sur des livres, ils sont relus, corrigés. Mm-hmm. Et tout le monde d'ailleurs, hein, quand on écrit un livre, voilà, il faut un minimum de qualité. Et donc, on aimerait avoir la participation de frères et sœurs qui sont bilingues en chinois pour pouvoir le corriger tout simplement. D'accord. Donc, faut faire une relecture, vérifier, voilà, corriger éventuellement. Quoi. Tout à fait. Voilà, parce qu'elle est traduite. Voilà. Quand il y a des erreurs qui se glissent, on le voit pas forcément. Hein. Tout à fait. Il faut plusieurs personnes. Donc là, tu lances un appel. Donc, voilà, on lance un appel à tous les frères et sœurs qui craignent le Seigneur, qui ont envie de participer à l'œuvre de Dieu, qui parlent donc français et chinois, à venir nous contacter donc, sur TV de Vie, à laisser votre message et on se fera un plaisir de vous accueillir pour travailler avec vous. D'accord. On va donner les coordonnées, David, si c'est possible, par rapport à cette vidéo qu'on va couper et balancer rapidement. Et d'ailleurs, si quelqu'un ce soir connaît une personne ou qui parle chinois et qui appelez-nous. Hein. Donc, chinois biblique hein, aussi. Voilà. Voilà. On donne le micro là comme ça. Ils disent quoi ? Pardon. En fait, le chinois biblique aussi, parce que du coup, ils disent qu'il y a le chinois parlé, enfin, tout ce qui est un peu familier. Mais par d'accord. contre, il y a des gens comme ça qui disent, voilà, nous, on sait les bases. Mm-hmm. Mais par contre, comme le livre traite aussi de passages de la Bible, il faut qu'on puisse comprendre. Et c'est pour ça qu'on demande quelqu'un qui craint Dieu. Mm-hmm. Et quelqu'un qui sait ce que les mots signifient et ce que ça veut dire et quel est le sens. Qui a le vocabulaire biblique quoi. Enfin, voilà, donc c'est parfait parce que c'est vrai qu'en français dans toutes les langues c'est pareil hein, quand on dit l'onction alors voilà. C'est sûr que l'onction les dons spirituels par exemple tout ça donc c'est bien que Dieu soit béni. En tout cas vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez et pour éventuellement nous proposer vos services, tout ça, et afin que l'évangile soit proclamé dans les nations. Le Seigneur m'avait dit qu'il allait toucher les nations avec ce message, avec l'évangile que nous prêchons, que les enfants du Seigneur prêchent, l'évangile que Paul, Pierre, Jacques et Jean ont prêché, Michée, tout ça, Esaïe. Et il faut que ces nations soient touchées par l'évangile. Voilà, que Dieu soit béni. Vous avez été en Chine pendant quelques jours, et vous avez à cœur de repartir là-bas, ou c'est comment ? Alors, pour l'instant, le Seigneur ne nous a rien dit. D'accord. Mais en ce moment, il y a des missionnaires qui sont partis en Chine. Il y a deux missionnaires actuellement. Tout à fait, donc, qui viennent de Toulouse. Olivier et Séverin. Et Séverine, sa sœur. Séverine, voilà, c'est pas Séverine. Olivier de Montauban. Et Séverine. Voilà. Et du coup, ils connaissent aussi un frère sur place. D'accord. Et qui les a rejoints. En fait, tout le monde s'est rassemblé à Shenzhen pour être ensemble. En fait. OK. Voilà. Donc ok, parfait. Donc Céleste, qui est notre sœur hein, chinoise d'origine et qui a étudié à Paris et qui rentre au pays et qui fait un travail magnifique là-bas avec des frères et sœurs qui commencent à être touchés. Et Olivier de Montauban ainsi que Séverine, hein, sa sœur, sont actuellement en Chine, en mission, hein, pour 2 semaines, je crois. Et pensez aussi à eux dans vos prières. Voilà, donc ça, c'est l'Église influente ou influencée, le livre que le Seigneur m'a fait écrire.
en 2005-2006, qui est traduit par Céleste, notre sœur chinoise, en chinois, frères et sœurs. En tout cas, ça, ça me touche. Je ne pouvais pas m'imaginer un jour qu'un de mes livres pouvait être traduit comme ça en chinois. Et c'est que le début, hein, parce que le Seigneur va permettre à ce que tout le travail qu'il nous faut faire soit, bien sûr, traduit dans toutes les langues, afin que les nations soient touchées par l'Évangile, en tout cas. Que Dieu soit béni. Donc, pour vous contacter, si on donne votre numéro personnel, ça ne sera pas sage. Et les gens peuvent simplement nous envoyer des emails. Et voilà, à TV de vie, envoyer des emails à TV de vie, et puis on va s'organiser pour faire passer le message.